Bonjour, je suis Thomas. Je suis le responsable de production des événements sportifs et culturels pour la Maison Le Nôtre depuis maintenant un an. Donc au quotidien, j'ai la charge avec les équipes de produire des événements dans des lieux d'exception qui sont le Stade de France et la Paris La Défense Arena. On a la gestion des lieux d'hospitalité, donc c'est-à-dire les loges et les salons au sein de ces deux stades. Donc concrètement, c'est de prévoir tout ce qui a été vu pour le client, c'est-à-dire la gastronomie par exemple avec les ateliers de production, le personnel avec les maîtres d'hôtel, avec les cuisiniers, etc. pour que tout se déroule bien le jour J. Ça va être de prévoir aussi le matériel, le linge, même les fleurs. En fait, c'est de prévoir tout ce qui a été demandé par le client pour que tout se passe bien et que le client, in fine, passe un moment d'exception. Alors, mon objectif, c'est très simple, c'est d'accompagner mes équipes, en fait, au quotidien sur les événements, être dans l'excellence opérationnelle pour nos clients et pour la maison Le Nôtre. Et puis, c'est aussi de pouvoir travailler en équipe sur tous les aspects RSE, sur tous les aspects qui peuvent répondre aux attentes de la maison. Ce qui me plaît dans le fait de travailler pour la maison Le Nôtre, déjà, c'est de travailler dans une entreprise qui est engagée sur toute la partie RSE. Et donc, c'est une vraie politique qui est importante à mes yeux. Et puis, à côté de ça, en fait, c'est de pouvoir travailler au quotidien dans des lieux d'exception et pour des événements d'exception. C'est un peu le rêve de tout le monde et nous, c'est un peu notre travail au quotidien, donc c'est vraiment plaisant. Si j'étais un produit le nôtre, c'est un peu mon petit péché mignon, mais je pense que je serais un croque-monsieur, surtout parce qu'on est encore les derniers à le faire avec du comté et que j'adore ça. Du coup, je dirais que travailler chez le nôtre, c'est travailler en équipe, un vrai esprit d'équipe et vivre ça ensemble avec passion dans des lieux extraordinaires.